Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Earthfire. Donc, je vais vous montrer la nouveauté qu'il y a en fait, grâce au DLC, on va pouvoir adopter. Donc, on va aller d'abord à Blancherie, je vais vous montrer une façon d'adopter. Alors, la façon d'adopter, c'est simple, c'est de trouver les enfants orphelins dans la rue et leur demander, tiens, elle est quoi elle? Non, ça, c'est pareil, c'est pas elle. Je pense que c'est Lucie, je crois. Lucie, Lucia. Mila, non, c'est pas elle. Alors. Généralement, elle est près de l'arbre. On va vite y aller. Où est-ce qu'elle est? Là, voilà, là-bas. C'est triste, Parfait. pas vrai. Génial! Vous voulez pas être mon père? Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce? C'est Brynwyn qui m'a dit de le faire. C'est le seul à avoir été gentil avec moi depuis... Depuis que maman... Depuis qu'elle est morte... Mon oncle et ma tante ont repris notre ferme et m'ont jeté dehors. Ils ont dit que je n'étais bonne à rien. Je suis venue ici, mais je ne sais pas quoi faire. Elle me manque tellement. Elle fait vraiment pitié, donc on va l'adopter. Vraiment? Est-ce que vous avez une maison où je pourrais vivre? Oh, pour de vrai? Ça ne vous embête vraiment pas? Ouais! Merci, monsieur. Papa, je promets d'être la meilleure fille du monde. Donc voilà, donc là on a le fameux succès. Alors je vais vous montrer une autre façon d'aller adopter, donc c'est l'orphelinat. On se retrouve à la maison? Merci, merci vraiment. Donc on va aller à l'orphelinat à Fayez et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait, tout simplement. Attendez. Alors voilà, donc la deuxième possibilité, c'est de se rendre ici à Faïez, hein, donc à l'orphelinat, je sais plus comment il s'appelle exactement, orphelinat Honoren. Alors pour que je se rappelle, c'est la vieille Grélode, pour une certaine confrérie. Alors il faut savoir aussi que pour adopter, il faut avoir construit toutes les chambres. Et par contre, où est-ce qu'elle est la bonne femme? Et il faut aussi avoir tué Grélode. Désolé du spoil, je m'excuse, je suis désolé. Par contre, je trouve pas la bonne femme. Avant, je détestais être ici. Mais aussi, maintenant, elle est ça la va bonne femme. On m'a appelé comme ça parce que c'est. Vous savez? Si, je vous jure. Ah, là, parfait. Je n'arrive pas à croire que Grélotte soit morte. Je ne l'aimais pas, mais être assassinée. Et de sang-froid? Oh, mais bien sûr! Quelle merveilleuse surprise! Je vais commencer par vous poser quelques questions. Quel est votre nom? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc là, on peut mettre ce qu'on veut. On va mettre l'enfant dragon. Comment? Si vous n'êtes pas... Attendez. Par Chor, vous ne plaisantez pas! Bon, très bien. Où vivra votre enfant? Très bien. J'ai tout ce qu'il me faut. Félicitations. Je crois que vous ferez un excellent parent. Parlez aux enfants et décidez qui vous souhaitez adopter. Une fois votre choix fait, j'aiderai l'heureux élu à faire ses bagages et à rejoindre votre résidence. Donc là, on va simplement choisir la personne. Putain, ils sont où? Ils sont tous barrés. Ils ont pas envie d'être adoptés. Le bande d'enfoirés, on va les voir dehors. Vous êtes là pour l'un d'entre nous? Faites attention. Alors. Vraiment? Vous allez vraiment adopter l'un de nous? Oui. Je m'appelle Roar, comme le cri du lion, vous savez. C'est ce que ma mère disait toujours. Je veux devenir aussi grand et fort qu'un lion un jour. Très bien. Je m'appelle Samuel. Je n'ai jamais connu mes parents. Grélotte dit que ma mère travaillait ici, mais qu'elle est morte à ma naissance. Constance et les autres sont gentils, mais j'ai envie d'avoir une vraie famille. Donc on va parler avant, à l'autre. Mes parents m'ont laissé ici il y a un an. Ils m'ont promis de revenir me chercher. Je crois que je préférerais rester avec vous. Au moins jusqu'à leur retour. Très bien. Tout va beaucoup mieux depuis la mort de Grélode. Mais cet endroit m'est devenu J'ai toujours été la seule fille ici. Les garçons n'arrêtent pas de m'embêter et ils m'obligent à faire toutes les corvées. Vous voulez adopter un enfant, pas vrai? Je suis forte, je suis futée, je sais tout faire mieux qu'eux. Choisissez-moi, s'il vous plaît. C'est vrai qu'elle a l'air pas mal, hein. Vraiment? On va prendre elle. Vous dites ça sérieusement?
monsieur. Papa, je promets d'être la meilleure fille du monde. Pourquoi vous êtes là? Vous venez faire quoi? On m'a appelé comme ça parce que c'est le cri du lion. Hein? Donc on va aller où l'autre? Bon, bah, je sais pas. Donc voilà, c'est comme ça qu'on adopte. Hein. Donc vous avez vu, c'est très simple. Donc je vous dis à la prochaine et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.